à quelques mètres seulement de la frontière suisse, le kilomètre zéro de la Vierona. La piste cyclable, longue de 815 km et qui relie le Léman à la Méditerranée, est aujourd'hui construite à 86%. Un investissement important pour les collectivités qui voient en ce tracé un trait d'union essentiel au sein de notre territoire. Si ce samedi, ce sont 3,2 km de l'itinéraire qui ont donc été inaugurés, le projet, lui, s'inscrit dans une réelle volonté de mieux anticiper les mobilités douces, à l'image de la voie ferrée du Tonkin qui attend toujours d'être restaurée à quelques mètres seulement du chantier. Donc dignement les 450 ans de cette séparation, la séparation par l'union, et n'oublions jamais que la marche n'est pas une frontière, mais une rivière à partager. Vive la Haute-Savoie, vive le Valais, vive Saint-Gingolf, vive l'amitié franco-suisse. Ce nouveau numéro de Vue d'ici. Aujourd'hui, on part à la découverte du village de Saint-Gingolf, à la frontière entre la France et la Suisse. Die Grenze verläuft zmitzt durchs Dorf Saint-Gingolf. Das ist ein kleiner Grenzort am Genfersee vis-à-vis von Montreux. Saint-Gingolf, das ist ein Dorf, aber zwei politische Gemeinden verteilt auf zwei Nationen. La passion de beaucoup de gens dans les régions pour fabriquer de très jolis bijoux. C'est aussi le patrimoine des régions, avec des spécialités uniques parfois. On va commencer en Haute-Savoie avec les perles du Léman, de jolis colliers à partir d'écailles de poissons. À Saint-Gingolf, Céline Blanpin et Eric Napi. Dans l'arrière-boutique de la fabrique La Perle du Lac, Jean-Loïc se met en place. Cet ingénieur se prépare à reproduire à l'identique les perles en verre fabriquées dans les années 1920. 3, 2, 1, c'est parti! Allez! Allez, on va chier là, on y va! Combinaison de plongée adaptée à la température de l'eau, bouteilles et palmes de toute taille pour certains, seaux, gants et pinces en main pour d'autres, les volontaires et plongeurs ont parcouru les berges de Saint-Gingolf par petits groupes pour collecter mégots, plastiques et déchets métalliques. Une journée de nettoyage ininterrompue pour extraire des fonds du lac Léman déchets et autres détritus. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Thank you.
Saint-Gingolph. L'accord parfait.